Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Spider-Man 2, évidemment, avec Ellie Cooper. Et on est reparti avec Ellie. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire, vous avez déjà perdu l'habitude. Je peux vous dire que ça fait mal à mon petit cœur. Comment tu sais que c'était moi? C'est l'étiquette, commande pour Music Man, c'était pas très dur. Oh, eh ben, je voulais te soutenir pour tout ce que tu fais pour eux. C'est vraiment cool. Merci, c'est toi qui es cool. A plus, Music Man. Allez, on est parti, on va résoudre quelques crimes. On va commencer d'ailleurs par un crime, j'ai envie de vous dire. On t'a choisi pour faire le gay, rien d'autre. Pourquoi c'est toi qui dirigerais? Parce que c'était mon plan. Estime-toi heureux que je te laisse participer déjà. J'hésite à déménager à Philly. Pardon, je dérange. Tant mieux. Ok. Vraiment désolé pour toi. Harry, c'est encore une de tes blagues? Ok. Harry, comment on va faire? Y'a rien ici. Je me calme sur les médocs. Lui, il est chaud, lui. Là-bas, c'est Spider-Man! Ok. Bon, tant pis. Levez la tête! Allez, baisse la tête, toi! Baisse la tête! On va commencer un épisode, tu vas juste baisser ta tête! Waouh! On va commencer par toi parce que toi t'es le plus relou. Un lance-roquette, faut quand même pouvoir le lâcher, monsieur. Et ben voilà! On sera deux fois avant de recommencer. Allez, le crime, c'est fait. On est parti. Ok. Bon! J'espère que vous allez bien, les amis. J'espère que cette aventure vous fait toujours autant plaisir. Évidemment, j'espère que vous êtes en 4K, 60 FPS. J'espère, pour mon petit cœur, que vous pensez au petit like, au petit commentaire, parce que ça soutient. Et je sais, oui, toi, derrière ton écran, je sais que tu oublies. Et je peux te dire que ça me fait extrêmement mal que tu oublies. Voilà. Mais, encore une fois, t'en fais qu'à ta tête et tu ne penses qu'à toi. Et ça, ça perturbe. Ok. Qu'est-ce que c'est? Waouh. Ok, superbe. Et ben c'est impeccable, j'étais installé comme à la maison, comme on dit dans le milieu. On va l'électrifier pour entrer. Comment ça? Attends, quoi? Attends, je suis teubé ou... Ah, L1, carré. Ah! Ça n'a pas ouvert la porte, mais ça a activé le premier interrupteur. Ah! Sûr qu'il doit y avoir d'autres disjoncteurs dans le coin pour activer les autres. Ok, on peut voir. Un disjoncteur. Ok. Oh, c'est nouveau ça, ça vient de sortir. Ça, c'est de la petite nouveauté. Je dois relier ça à un minuteur. Je dois alimenter chaque boîte avant la fin du décompte. Ah ouais, mais mon frère. Attends, faut trouver ça, hein. Faut trouver, hein. Vous croyez là-haut, là? Non. Ils auraient été aussi. Oh, waouh. Ok. Mais là, j'en ai que 3. Là, j'en ai que 3, les amis. C'est problématique, c'est embêtant, comme on dit. En voilà un autre. Ok. 2. 3. Et le last? The last. Allez, je t'en supplie. Oh. Il est pas là. Il m'en manque un, les gars. Un putain de disjoncteur de merde. Il est pas là. Ok, c'est bien ce que je pensais dès qu'on entend le petit pipip. C'est pas vrai, les gars. Oh, vous l'avez mis où? On se fout de la gueule du monde. Il y en a un.
2, 3, attends, un tout en haut. Il est là. Ok. 1, 2, 3, 4, oui, on est bon. Allez, superbe. 1, 1. Hop, cascade. 2. Allez, dépêche-toi! T'es lent, mon frère! 3. Il est speeder-lent! Allez, c'est fait, ça dégage, je peux en entendre parler. Bon. Je devrais pouvoir accéder à la cache. C'était chiant. Voilà, je n'ai pas mis tôt que cette quête-là. Elle change des autres. Mais elle était un peu chiant. Donc, pour la peine, on retourne dans notre aventure principale, évidemment, étant donné qu'en plus, l'épisode 19, on s'était permis quelques petites balades à ce sujet-là. Ok. Ok. Allez, on y va. On arrête les crimes. Pour l'instant. Oh, une pierre. Attendez, ça m'intéresse par contre. Vous savez que la pierre, il m'en reste pas des milliers d'essence. C'est bien une pierre, hein. C'est bien une pierre. Attendez, hop. On va aller tranquillement ici. Ça sent une pierre, ça. Yes. Alors là, ça me rappelle des souvenirs, neveu. Ma toute première cache. Pourquoi Queensbridge? C'est là qu'il y avait l'arcade Moon Turtle. Enfin ça, c'était avant qu'il démolisse tout pour construire ce gratte-ciel. Ton père et moi, on y passait tout notre temps quand on était gamins. Si? À chaque fois, j'étais à court de pièces en premier. Attendez. Ah non, c'est la flamme. J'ai accepté toujours de partager les siennes avec moi. Je donnerais n'importe quoi pour retourner dans cette salle de jeu avec mon grand frère. Rien qu'une fois. Il me manque. À moi aussi. Okay. Si seulement Claron et papa avaient pu se réconcilier avant qu'il tombe. Que Connor soit chez lui. Et que son alter ego tout vert n'ait pas pris le dessus. Docteur Connors? Docteur Connors, vous êtes là? Ça fait combien de temps que ça sonne? Ok. Pas l'air de décharger les batteries. Famille de Connors. Sa femme est partie avec son fils après le premier accident du lézard. Ça dérange pas Craven. Ok. Il doit se sentir seul à vivre dans une maison comme ça. Qu'est-ce qu'on a là? La chambre de son fils. On s'attaque pas aux enfants. Un ami des bêtes. Ok. Il n'y a pas un tableau droit. Superbe. Deux lavabos. Mais il n'y en a qu'un d'utilisé. Ok. Oui, on va pas voir. Doc ? Connor, c'était bien là. Il s'est battu de toutes ses forces, apparemment. Qu'est-ce que c'est? Alors, mécanisme moléculaire de recombinaison génétique par le docteur Michael. Comportement d'enzymes intéressant, besoin de réactifs supplémentaires. Recherche sur la recombinaison génétique? Il était revenu se guérir. Mais ça doit pas être... Ça dérange pas Craven. Les gars? Wesh, j'avais une caméra en... qui était parti loin. J'aurais pu me balader partout. C'est incroyable. Ok. Trop chou. C'est la chanson du mobile. Oh, c'est rigolo ce bruit. Il
On n'y gagne rien. Ouais, il y avait peut-être, je sais pas, un trophée, quelque chose, tu vois. Mais on n'y gagne que dalle, très bien. Qu'est-ce que Kraven vous a fait, Doc? Oh, waouh! Tous ces tubes à essai à la maison. Ces échantillons sanguins sont pour un décodeur de génome. Connor, c'est un labo ici? Oh, oui, il y a un labo, oui. Comme pas mon neveu. Ah, il s'est donc enfui par là. Pourquoi t'es pas par terre, toi? Coucou. Y a aucun chiffre sur le pavé. Ah. D'accord. C'est la même note que le piano. Non, non, non. Ok, ok, on va devoir reproduire. Et c'est évident que ça servait à quelque chose. Je l'ai. Normalement, je l'ai. Ok, ok, ok. Il fallait juste faire les 4 premières, ok, c'est ok, c'est ok. Connor, ça moins relou que ce que j'aurais pu croire. Ce labo devait offrir un abri à lui et sa famille chaque fois qu'il faisait une crise. J'ai tellement beau. Comme ce labo. Des vivariums de reptiles pour les premiers tests de régénération de Connors. Je sais toujours pas comment il a perdu son bras. Les capteurs de mouvement ont activé les caméras il y a une demi-heure. Qu'est-ce que tu manques ? Il fallait juste faire un test sanguin. Allez, Dr. Connors, battez-vous. Pour tout ce qu'il a fait subir à Connor et ses proches. Ah. Il a encore Mutei. Ceci est fort embêtant. Oh, waouh. Pas retenu. C'est typiquement ce qui plaît à Kraven. On l'a pas vu de l'extérieur, ça. Hein. Le sang de Connors. Hein? Couvre la porte. Cette bestiole peut être n'importe où. Vous n'avez pas idée. Tu es une proie sublime. D'à quel point je vais vous baiser? Ouais, je finis ces phrases maintenant. Vous laissez Connors tranquille. Il ne mérite pas ça. Vous, Kraven, continuez d'embêter, vous aurez affaire à moi. Ok, ça c'était le passage qu'on avait vu à l'E3. Okay. C'était le passage qu'on avait vu à l'E3, effectivement. La chasse aux lézards est terminée. Ah, ça va être la merde. Là. Kraven est conscient de ce qu'il a fait à Connors. Tiens, prends ça dans ta gueule, le camion. Allez. C'est pour se prouver quelque chose. C'est rien de plus qu'un jeu pour lui. Yeah!
toi et le lézard, vous aurez de magnifiques trophées. Bonne, bonne chasse. Toi, toi tu commences à me casser une qu'il est pas prêt d'oublier. Oh. Toi, tu commences aussi à me casser les couilles. Raven vous aura tous les deux. Il va regretter d'avoir mis les pieds à New York. C'est dur, hein. Ok. Ok. Bon, y arriver. Ne t'inquiétez pas. Eh ben, ouh, j'aurais pu faire mon ulti. Le satellite scanne tous les deux actifs. Calcul de la position en cours. Cible localisée au marché aux poissons d'Harlem. Appel à toutes les équipes. Le lézard est de l'autre côté de la rivière. J'y serai jamais à temps. Début du 19e ? J'adore les tresses. Ok. Ouais, ok. Je vois le genre. Lee court toujours. La ville a besoin de moi. De Spider-Man. Pour l'instant. Excuse-moi. Pete ? Qu'est-ce qui se passe ? Le marché ? Ouais, ouais, j'y serai. Désolé. Je t'envoie un message. C'était trop bien. La fresque, je veux dire. Ah, une petite romance qui se fait par ici. J'attends toujours que Pete me rappelle. Hey, comment ça va avec Ailey? J'ai abrégé. Le lézard s'est enfui. J'ai besoin que tu m'aides à le localiser. Le lézard? Et sinon, Ailey pense que je suis totalement fou de vouloir trouver Lee. Comme tout le monde, on dirait. On veut te protéger. La vengeance, ça... Je cherche pas à me venger. Mon père a toujours cru aux deuxièmes chances. Mais là, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est mon boulot à moi de vous protéger. Ça devrait pas être l'inverse. Compris. Alors, attends deux secondes que je lance mes machines. Ok. Bon. On va pas tarder à le trouver si tout va bien. Et là, on est d'accord que je crois que je ne peux pas faire de quête secondaire étant donné que c'est censé être pressé. Tu l'aurais compris. Allez au marché de poissons. Allez, let's go. Ça a l'air vide. Mais je ferais mieux d'aller voir. Je vais avoir de la compagnie, en fin de compte. On se déploie, maniez-vous! Go, go, allez! Partout, formation serrée. Ils ont des drones pour suivre le lézard. Je pourrais peut-être m'en servir. C'est quoi ça, un système de défense? D'accord, c'est bon à savoir. Je vais garder mes distances. Je peux pas les laisser. Oh là, bizarre. Je dois les neutraliser. Waouh. Dispersez-vous. Si vous trouvez le lézard, ne l'attaquez pas seul. C'est encore moi. C'est bon, je suis à mon poste de combat. Beaucoup de chasseurs. Ils utilisent leur drone oiseau pour tracer le lézard? Sans doute, ouais. Mais pourquoi? J'ai une idée. Je tente un truc pendant que tu nettoies l'entrepôt. Ok.
C'est eux qui regardent, c'est ça? Ok, ok, allez, ça, ça dégage. Toi, tu vas être chiant. Installez vite un piège, au cas où le reptile est allé. Ok. Okay. Bon, c'était pas facile. Je ne pensais pas que j'allais me faire retourner comme ça. Oh, je me fais tout un central, tout un réseau, pardon, de toiles d'araignée. Excusez-moi, histoire de naviguer plus facilement dans ce hangar. Étant donné qu'il n'y avait pas grand chose. Et on pouvait pas le faire ça avant. Et ça, c'est vraiment incroyable. Par contre, meilleur move maintenant. Ok. Waouh. Tu vas disparaître vite et fort en hauteur. Allez, on s'en sort très très bien. Oh waouh. Bien. Qui reste-t-il? Très bien, qui reste-t-il? Voilà, vous êtes content, j'ai utilisé l'invisibilité. Hein. En vrai, j'en avais pas la nécessité jusque-là. Hein. En tout cas, je la trouvais pas. On a eu chaud. Oh, j'ai eu chaud de zinzin. J'ai eu chaud de fou. Et B. Bon, il y en a un en bas. Deux en bas. Un troisième tout au bout là-bas. Tu cours comme ça, toi. Tu cours où? Bizarre, toi. Ah ouais? Bon, écoute, pourquoi pas si tu veux te livrer à moi. Moi, je prends. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Oh, il avait une vraie arme lui hein. Ok. Tranquille. Et ben voilà. Je me lasserai jamais de te regarder coller des raclés. Et on a le piaf. Voici ta tenue peut contrôler la carte mère du drone. Ok. Je vais tenter le coup. Eh, moins de 5 minutes, les gars, pour vider le hangar. Ok. Ma tenue se connecte. Voilà. Loué, soit Unix. Ok. Je reboot l'altimètre et... Je vole! De quoi j'ai l'air? Ben, d'un drone volant, mon pote. Oui, mais d'un drone volant qui suit la trace du lézard. Génial. T'es rapide. On dirait qu'il est de l'autre côté. Oh, oh, c'est aussi maniable qu'un tank. Oh, 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 ça va faire mal. Donkey, ça va? Ouais, mais je crois que j'ai bouché le passage. T'inquiète. On se retrouve de l'autre côté. Okay. Le garage devrait me conduire à Gangtree et au lézard. Voilà. C'est très bizarre l'ambiance, hein.
C'est parti. Alors attendez. Attendez. On a peut-être et potentiellement de très belles choses à se faire par ici. Oh, lui, il est vraiment stylé. Miles, ok, on verra plus tard. Ok, ça, je peux le faire. Touche des ennemis avec le lanceur, apporte de la concentration. Ah, mais il y a Ricochet aussi que je dois débloquer, les gars. Ah, mais non, il me manque des jetons de héros. Ça, c'est fort embêtant. Il me manque toujours des jetons de héros. Allez, on va prendre ça. On améliore petit à petit. Ajoute un tir. Ok. Là, c'est surtout les compétences aussi qui vont m'intéresser. On en a deux, les amis. On va mettre ça déjà, d'accord? Ça, c'est pas mal. Mettre des ennemis KO, réaliser des coups de grâce et des éliminations silencieuses recharge partiellement vos capacités. Réussir une parade repoussera avec la toile. Vous pouvez lancer les ennemis entoilés, électrifiés ou paralysés en maintenant. Maintenez carré près d'un ennemi en l'air pour leur infliger une attaque bondissante et les faire rebondir au sol. Et qu'est-ce qu'on a là? En vous balançant, mais ça on va mettre ce pouvoir de balancement, c'est plutôt quand même cool. Et ça, frapper des ennemis paralysés avec la bio, recharge vos capacités, c'est pas mal ça. Utilise des méga décharges bioniques, génère de la concentration. Améliore le rechargement de la méga décharge. Je pourrais l'utiliser donc deux fois plus. Sûrement. Très bien. Très bien. Composant de la tenue. Ça, c'est très bien à y penser aussi. Parce que c'est quand même la santé. Mais il faut des jetons de héros. Et les jetons de héros, les gars, c'est les quêtes les plus reloues à faire. Voilà. Donc, pourquoi pas l'avenir. Allez, on va améliorer un peu le Decomers. Non? Peut-être la trappe-toile. Non, c'est trop les jetons de héros. Par contre, il en faut beaucoup trop. Hein. C'est n'importe quoi. Hein. Allez, go. Go, go, go. C'est saignant. Alors, il faut que je me barre d'ici. Ok, ok. C'est pas Ganki qui a fait ça. Bon, les amis, vous êtes prêts? Oh putain, je croyais que c'était le bon moment, mais non. Oh, la cape qui gêne. Oh, c'est terrible. Poisson. Dégrasse. Bon, les amis, on va s'arrêter là pendant que c'est un peu austère. Ok, ça devient survival horror. Oui, c'est sûr. Les amis, n'oubliez pas le j'aime et commentaire. Je vous dis à bientôt pour la suite de notre aventure. Et on va se retrouver directement face au boss. En tout cas, l'ambiance, elle devient cool. Allez, bisous tout le monde, à bientôt.